Donc petit disclaimer avant que les gens viennent me dire dans les commentaires « Ouais, tu glitches, ouais, ça c'est pas, ouais, tu dis que c'est pas bien, tu nanana. » Donc je préfère vous prévenir que je n'ai jamais glitché dans le jeu, que je n'ai jamais dupliqué. J'ai juste fait cette méthode une fois pour vous la montrer en vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je vous laisse le choix de si vous voulez la faire ou si vous ne voulez pas la faire. C'est en votre âme et conscience. Moi, je ne la fais pas parce que cela détruit le jeu, l'économie du jeu. Donc je vous la montre tout simplement. Après, si vous voulez le faire pour des petits niveaux, voilà, comme ça, ça peut vous aider dans les niveaux tout simplement, dans les missions et tout. Mais voilà, si vous voulez la faire, vous la faites. C'est en votre âme et conscience. Je vous montre la méthode. Voilà, tout simplement. Donc bon visionnage quand même à vous et à la prochaine tout le monde. Yup tout le monde, c'est Cyprien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Fortnite sauver le monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer honnêtement sur le jeu, enfin sauver le monde, il est très bien. Mais alors il y a un glitch, ça fait depuis cet été qu'il existe, il a été patch. Mais à moitié en fait. Donc je vais vous montrer comment essayer. Moi pour ma part je ne le fais pas puisque ça ne sert à rien tout simplement. Et j'y perdrai mon temps. Et déjà qu'il n'y a rien à faire sur le jeu. Alors si je viens glitcher comme un cochon sur le jeu, ouais, ça va pas me servir à grand chose. Donc bon. Voilà. Ça va pas me servir à grand chose. Donc je vais vous montrer tout simplement, si vous voulez le faire, vous le faites, et si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas, tout simplement. Voilà. Je ne forcerai personne à le faire, donc je ne forcerai personne à ne pas le faire, c'est comme vous voulez. Voilà. Moi je vous le montre, donc ça fait pas mal de temps que je le connais, et je l'ai jamais fait, donc bon, autant vous l'expliquer, comme ça, voilà quoi. Que je vous l'explique et ça ira un peu plus vite. Voilà. Donc on se retrouve dès que le chargement est fini. Alors donc on vient de revenir in game tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, alors j'ai placé des structures un peu avant pour voir s'il fonctionnait toujours, et oui malheureusement il fonctionne toujours. Alors donc comme vous voyez, il y a des pièges tout simplement. Donc je vais faire une box vite fait. Voilà, comme ça ça va plus vite. Voilà. Je place ça, j'améliore rien du tout, ça va pas servir à grand chose d'améliorer. Voilà, je mets des pièges comme ça. Là, voilà, ok. Donc, j'ai mis les pièges comme ça. Alors moi, cette méthode-là, en gros, de faire la box comme ça, je trouve ça bien, mais on a du mal à récupérer tous les trucs qu'on veut. Enfin, on peut les récupérer, mais c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, ça ne disparaît pas. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre le curseur sur quitter, et vous allez, si vous êtes en privé ou en public, ça ne change rien. Vous allez ouvrir le menu du bouclier anti tempête et vous allez cliquer sur l'endurance. Vous n'allez pas mettre à temps de l'aide sinon ça va bugger. Vous allez cliquer sur commencer. Dès que vous cliquez dessus, vous faites rond et vous tapez à 19. Donc là on récupère le maximum de trucs et ensuite on quitte. Voilà, on quitte directement. On quitte avant 12. On peut quitter à 14, à 13. On quitte à 12. Mais pas après, sinon ça peut bugger tout simplement. Donc là voilà, ça met des fêtes tout simplement. Donc on va passer tout ça et on va se retrouver directement au chargement pour revenir dans la base tout simplement. Et je vais vous montrer que il y a certains pièges qui sont restés, mais il y en a d'autres qui disparaissent. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors donc bon, nous nous retrouvons après le chargement. Et comme vous le voyez, il y a toujours tous les pièges que j'ai mis. Il y a juste la rampe, donc il faut juste remettre la rampe. Et tous les pièges que j'ai mis, bien évidemment, ils sont restés.
Donc voilà, alors si je vous expliquais comment faire le glitch, comme je vous ai dit, je vous oblige pas à le faire, je vous oblige pas à ne pas le faire, c'est comme vous voulez, au moins vous le savez. Ça fait depuis cet été qu'il existe et il est pas prêt d'être patché. Voilà, j'espère quand même que cette explication vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, tu partages, tu likes, tu commentes, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.